Alors, moi, je connais dans l'Église, on a sept sacrements. Et le sacrement de l'Eucharistie, c'est comment Vatican II, le Concile Vatican II définit, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Alors, la source, ça veut dire nous venons puiser à la source, nous venons prendre la force avec le Seigneur. Et puis, le sommet, ça veut dire nous ne pouvons pas aller plus haut que ça. Hein. Alors, c'est pourquoi que quand Jésus tient institué l'Eucharistie, le jeudi saint, la veille sur la mort, il s'est dit, faites ceci en mémoire de moi. Et depuis plus de 2000 ans, l'Église continuait à célébrer l'Eucharistie. Et en d'autres mots, c'est le repas de la route. C'est pour ça que quand nous avons fait notre première communion, c'était une manière de venir prendre le corps du Christ et appeler, la première communion, ça veut dire appeler à continuer à vivre de l'Eucharistie, donc à continuer à faire route avec le Seigneur. Et quand le chrétien, quand le baptisé, il vient à l'Eucharistie, donc il vient puiser sur la force. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, parce que c'est ce jour-là que Jésus est ressuscité. Et il vient là, il vient puiser sur la force, puis il a continué la route, continuer avec le Seigneur sur la vie de tous les jours. Et ça rappelle nous, par exemple, les disciples d'Emmaüs. Un rappel, quand vous êtes marchés, vous êtes découragés. Nous aussi, quand nous venons à la messe, des fois, nous venons avec un découragement. Mais le Seigneur vient rencontrer nous sur la route. Il vient partager sa parole avec nous. Rappelle Jésus, tu fais une causerie avec eux, l'enseignement surtout avec eux, en commençant par Moïse et les Écritures. C'est clair, eux, là. Et puis, quand ils rentrent à Emmaüs, rappelle, qu'il tu fais, ils te cassent du pain. Et c'est là qu'ils ont les yeux ouverts, ils ont reconnaissent Jésus. Et de découragement des côtés, et là, je viens de ben témoin. Je galopé, je retourne à Jérusalem, je viens de ben témoin. Alors, nous aussi, nous avons été de ben témoin quand nous participons à l'Eucharistie.